Bonjour les amis, je vais vous dire un truc, j'en ai marre. Ça fait très longtemps qu'on est confiné, ça fait très longtemps qu'on est toujours menacé, ça fait très longtemps qu'il y a des rebondissements, le Covid, re-Covid, re-Covid, etc., etc. Quand est-ce que ça va passer? Moi j'en ai tellement marre que bon, je me suis dit, bon, il faut que je me trouve un truc là pour que je puisse quand même supporter tout ce bazar là. Alors je suis allé chercher des idées et puis moi je trouve finalement bon, ben je vais m'évader. Mais une fois que j'ai mis le pied sur mon chemin là pour m'en aller, je me suis rappelé que vous étiez là, ou mais moi je peux pas partir sans vous. C'est pour ça que je vous envoie cette invitation. Vous allez vraiment être surpris, très très content de la voir. Je l'invite à tout le monde, à tous ceux qui me connaissent et qui ne me connaissent pas. Voilà, c'est pour ça que j'ai envoyé ça sur cette carte postale, très belle carte postale. Et voilà. Donc, vous êtes invités à visiter quelques-unes des plus belles plages au monde. Bien sûr, ça va se faire chez vous. Vous n'allez pas sortir, franchir la porte. Ok? Donc, là, je me suis débrouillé, je suis allé chercher sur Google, et puis j'ai trouvé énormément de contenu sur les plus belles plages du monde. Ce que vous êtes en train de regarder, regardez une plage, comment elle est tapissée, regardez, il y a des bijoux là, vous ramassez des bijoux, c'est extraordinaire là. Donc c'est un truc qui va vous faire plaisir, et puis on raconte que vous souvenez-vous du bonheur et de la joie que nous éprouvions lorsque nous étions enfants, et que sur les plages nous trouvions des magnifiques pierres et cailloux au couleurs resplendissantes, de vraies pierres précieuses. Eh ben, là, il y a une plage où il y a ça. Ben, il faut que cette histoire de Covid terminée, il faut que j'aille là-bas, rien que pour faire du commerce de colliers extraordinaire. Ah, je ramasse et puis ça coûte rien. Donc, voilà, ben, je vais vous faire visiter autre chose, autrement. Je change un peu de méthode pour vous montrer beaucoup de choses. Mais avant tout, n'oubliez pas quand même de liker, de commenter, de partager énormément, partager au maximum, et de vous abonner à ma chaîne si vous ne l'êtes pas encore. Ok, maintenant on va passer à la page suivante. La page suivante, voilà. Il n'y a rien, il n'y a pas un seul mot, il n'y a que des photos. Et il y a là-dedans 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5. Ça fait 30 contenus sur les plus belles plages du monde. Mais il y a au moins là une trentaine. Et là, bon, vous regardez, et si vous aimez un truc comme ça, par exemple, vous cliquez et vous allez visiter. Ok? Par exemple, bon, nous avons notre plage ici, la plage au bijou. Là. Je clique, voilà, dans le site, il parle, regardez comment la plage est faite. Bon, il y a des gens qui connaissent, il y a d'autres qui ne connaissent pas. Regarde, est-ce que c'est pas beau ça? Est-ce que c'est pas une belle plage là, ça? Les bijoux, regardez, voilà, c'est aux États-Unis, en Californie. Je reviens à mon PDF, par exemple, regardez ça, on voit le ciel, en haut, on voit le ciel ici, il y a une plage, ici, la mer qui entre, c'est pas extraordinaire, voilà. Et puis, il y a tout un des plages les plus insolites du monde, il y en a d'autres. Regardez, c'est une autre, ça. Et là, il y a la plage, la mer entre, ici, et les gens, ils sont là, ils vont nager, et puis, il y a une grotte sous la roche. C'est la plage secrète des îles Marietta au Mexique. Mais ça, c'est Pink Sand Beach. C'est le sable rose. Et là, c'est la chaussée des géants. Regardez comment c'est fait. On dirait les pyramides. Mao Beach. Les atterrissages d'avions extrêmes Saint-Martin. Les avions arrivent ici au-dessus des têtes des baigneurs là. Et ici, c'est des œufs de dragon. Ça me rappelle le film Cocoon, là où il y a des extraterrestres qui ont été dans des cocons, dans une piscine et tout ça. C'est vraiment pas mal. Regardez, il y a une porte. Donc, vous, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez appuyer sur n'importe quelle photo et vous allez découvrir un site qui va parler de plusieurs choses à la fois.
au lieu d'un cri. Donc, s'il vous plaît, likez, commentez, partagez au maximum et abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore. Je reviens quand même à autre chose. Si vous le savez, ça c'est en Thaïlande et cette île-là est devenue très très célèbre, toute la plage d'ailleurs, par un film de James Bond dans les années 60. À chaque partage, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait le partage des formations offertes par les pros du web. Ok ? Et puis à chaque partage, il publie plusieurs contenus par jour pour faciliter votre business sur le net si vous êtes dans le voyage, si vous êtes dans le tourisme, si vous êtes dans les évasions, les découvertes, tout ça. Abonnez-vous s'il vous plaît, appuyez like, vous allez découvrir ma chaîne, vous allez vous abonner. Et ça, c'est un PDF interactif gratuit. Donc, interactif, c'est parce que vous cliquez et puis vous sortez vers YouTube ou vers un site Google. Ok, voilà. Donc, j'espère que ça vous a plu. Merci et à demain.